Coucou tout le monde, bonjour. Bon, on m'avait demandé de faire une vidéo un peu spéciale puisque j'ai oublié dans la dernière vidéo Koh-Lanta de parler de... du coup de téléphone. Alors, je devais faire une vidéo en direct, malheureusement pour moi, le direct s'est résumé à « Tu n'as pas assez d'abonnés, donc bah, tu fais pas de vidéo en direct. » Voilà. C'est la vie. Donc, je fais une vidéo comme ça, et puis, bah, pour le moment, désolé, hein. Désolé au jeune homme qui m'avait demandé. Donc, je fais une petite vidéo comme ça, et on verra bien comment ça va se faire. Alors, donc, oui, le coup de téléphone. Donc, c'est les rouges qui ont gagné le coup de téléphone. Alors, pour résumer, les... Alors, pour résumer, c'était quoi les... C'était quoi? L'épisode date d'hier et je suis déjà claquée à ne pas me rappeler. Donc, le jeu se résumait à attraper les bâtons en haut de la passerelle où il fallait sauter. Donc, c'est les rouges qui ont gagné. Et donc, les rouges sont allés... oui, c'est les rouges qui ont gagné. Oh, je sais plus. Ah, j'ai un coup de... Non, c'est les jaunes qui ont gagné. Oh, pardon, pardon. Les jaunes ont gagné. Et donc, les rouges ont aussi gagné... oui, avec leur histoire de cadeaux, je trouve ça ridicule, mais ça c'est mon avis personnel. Donc du coup, les rouges ont réussi à avoir l'appel aux familles. Alors j'ai trouvé que dans l'ensemble, l'appel aux familles était très chaste, c'était trop mignon, il y avait des trucs trop mignons. La plus grande des filles, bah, d'ailleurs la dernière qui reste, m'a fait trop marrer avec son mari, c'était assez sympa. Puis, mais là où j'ai vraiment, mais je me suis bidonnée à mort, et là j'ai cru que j'allais vraiment pleurer de rire, c'est la danse du chat. La danse du chat. Alors ça, je voudrais la voir en direct sur le prime time de la fin de Koh-Lanta. Hein. Parce que je crois que la danse du chat, elle est excellente, elle était trop mignonne. Alors, il me fait mourir de rire ce garçon. Et oui, j'ai le soleil dans les yeux. Il fait très beau chez moi, regardez ça. J'ai pas un pet de nuage. Et donc le soleil tape, j'en profite un peu parce que demain il fait froid. Donc oui, la danse du chat, c'était excellent. Moi j'ai adoré. Franchement, je regrette pas. Désolée si vous entendez taper, c'est mon voisin qui fait des travaux. Je sais pas pourquoi il se délire à faire des travaux. Surtout un samedi à 18h, mais bon... C'est sa vie, hein. Donc il ne me fait pas ça à minuit. Donc du coup, j'ai eu la danse du chat, il y a eu la dame avec son... Alors j'ai trouvé touchant le plus âgé qui parlait avec son fils, son cadet pour le divorce et tout. Enfin le pauvre, il était tellement dans le gaz qu'il ne s'est même pas rendu compte que c'était son père qui l'appelait, quoi. Oh, c'était trop mignon. En même temps, c'était dommage parce que le petit, bah, je suppose qu'il avait besoin de parler avec son papa. Et puis, mais bon, ils ont dû rattraper ça quand ils sont rentrés. Moi, je suis hyper contente de ce Koh-Lanta-là, même si l'épisode était un petit peu mou cette semaine. J'en suis un peu triste. Mais bon, ça reste quand même un très bon épisode et ça reste quand même Koh-Lanta qui est quand même mythique. Avec des personnages cette année qui sont haut en couleur. Et qui sont vraiment très marrants. Moi, j'aime beaucoup Cindy Lalouse, qui, malgré tout ce qu'elle peut faire, elle me fait délirer. Elle lui arrive que des bourdes, quoi. Il y a aussi dans l'équipe bleue, comment il s'appelle, celui qui remplace Alizéa, Frédéric. Voilà, Frédéric. Alors lui, il est mythique, hein. Il me fait délirer au possible. Et puis, bah, il y a le jeune homme gay, dont je ne me souviens jamais de son nom. C'est le chouchou de mon frère. Mon frère, à chaque fois, il me dit « Mais si, c'est ça, comme ça, il s'appelle !» Je ne sais pas comment il s'appelle. Désolée, je ne me rappelle jamais. Jérémy, je crois, mais je ne suis pas sûre. Si je lui invente des noms, il ne va peut-être pas apprécier le pauvre. Enfin, du coup, moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, je crois que je vais l'appeler Chat, comme ça, moi, je suis sûre que je me rappellerai et que tout le monde s'en rappellera. Donc, Monsieur Chat, du coup, lui, il me fait délirer aussi à mettre des pots de fleurs dans la jungle. Non, mais alors, c'est mythique. Mais j'espère qu'il va aller loin, parce que je pense qu'il peut aller très loin. Pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup. On l'entend parler, on ne voit pas beaucoup plus que ça. Et donc, du coup, je pense qu'il peut aller très loin. Maintenant, potentiel gagnant, je ne sais pas.
Je sais pas, parce que pour le moment, ça n'a pas l'air d'être défini. D'habitude, on sait à peu près très tôt qui va y aller et tout. Moi, généralement, je le sais un peu avant la réunification. Là, je suis vraiment en mode questionnement. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc, j'espère que ça va être autrement. Ça me ferait bien marrer. On va voir. Donc, voilà. Voilà les petites nouvelles. J'ai vu que ma dernière vidéo, alors hier soir, elle a pété des compteurs. J'ai halluciné. Donc hier soir, quand je me suis couchée, il était ouais 2 heures. J'étais déjà à 84 vues, 94 vues. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais à 121, un truc comme ça, plus ou moins, ouais, plus ou moins, surtout moins. Hein. Mais là, avant que je lance le live qui n'a pas lieu malheureusement. J'ai lancé beaucoup de choses, donc j'ai regardé vite fait et j'étais sur 121 je crois ou 129, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est super, merci. Je suis hyper contente de vous plaire. Alors j'ai vu que non, effectivement, je plaisais pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui n'apprécient pas mes remarques, qui n'apprécient pas les choses. Soit c'est votre choix, je suis contente de plaire, je suis contente de ne pas plaire aussi, puisque ça montre qu'on a tous des opinions diverses. Et moi, ça ne me dérange aucunement de voir les choses qui ne vont pas. Alors, la personne en question m'a dit que, enfin, elle m'a laissé des anagrammes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quand je lui ai demandé, il m'a dit de regarder sur Internet. Donc, j'aime pas qu'on prenne de haut, mais bon, pff, tant pis. Et puis, j'ai regardé sur Internet et j'ai pas trouvé ça super classe. Donc, voilà. Après, je ne sais pas dans quel sens il le voit. Mais au vu du fait qu'il y a un pouce moins qui est traîne sur ma vidéo, je suppose que c'est la personne qui l'a mis. Bon. Je ne plais pas à tout le monde, bah c'est pas grave, hein. Moi je me plais à moi-même, et si je plais à d'autres personnes, et bah écoutez, je suis super contente de vous plaire, et puis si je plais pas, bah je plais pas, tant pis, c'est la vie, ça arrive à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire les choses que tout le monde aime, et puis qu'est-ce serait le monde, on va philosopher un peu, que serait le monde si tout le monde se plaisait à tout le monde, hein? Question philosophique, hautement philosophique, hein, qui peut faire mal à la tête, donc... voilà, moi je suis hyper flattée d'être vue par des gens. J'ai eu quelques abonnés, je suis très très heureuse, merci beaucoup. Comme j'ai pu répondre à la personne pour laquelle pour laquelle je fais la vidéo là aujourd'hui, je t'ai répondu, je te répondrai encore, il n'y a aucun souci. Je te remercie de m'avoir vue, je te remercie d'avoir déliré sur mes phrases. Donc, je répondrai avec grand plaisir à tous ceux qui veulent parler avec moi, il n'y a aucun souci. Je réponds juste pas aux insultes et je ne répondrai plus aux personnes qui s'amusent à mettre des anagrammes sans explication et qu'après on prend en de haut. Maintenant, je ne suis pas non plus méchante, mais j'aime pas qu'on me marche dessus. Et puis j'ai été quand même très sympa, j'aurais pu être plus trash dans mes réponses. Et j'aurais pu d'ailleurs lui répondre, puisque je n'ai pas répondu à la personne. Enfin, je lui ai demandé, et quand il m'a répondu que fallait que je regarde sur Internet, je n'ai pas regardé plus que ça. Mais bon. Enfin, je n'y ai pas répondu plus que ça. Enfin, voilà les choses. Donc, moi, je suis hyper flattée, hyper heureuse que vous ayez mis autant de votes. Je continuerai Koh-Lanta, parce que j'avoue que ça marche très, très bien, et je suis très contente d'avoir mis... Koh-Lanta en place, donc j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas. Donc, j'ai vu que si il me manque des annonces, enfin des annonces, des choses que vous avez vues dans Koh-Lanta et que je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le dire, allez-y. Le jeune homme m'a dit que je n'avais pas parlé du téléphone, effectivement. Quand j'ai revu ma vidéo, effectivement, je n'avais pas parlé de la session téléphone et je suis tout à fait d'accord avec lui, d'où la nouvelle vidéo. Mille excuses de ne pas faire de live. C'est pas que je ne veux pas, c'est que YouTube a augmenté, donc on ne peut plus faire de live qu'à partir de 1000 abonnés, donc j'en aurais pas 1000. Voilà.
Mais je suis très 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 heureuse d'en avoir quand même déjà un petit peu, même si c'est pas beaucoup. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à s'abonner, à vous abonner, pardon, parce que c'est pas français sinon dans le décor. À liker, vous abonner, partager, n'hésitez pas, allez-y, moi ça me fait plaisir d'être vue. Je prends toute critique constructive, donc il n'y a aucun souci. Et puis n'oubliez pas aussi que sur mytf1.fr, il y a le casting de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Si vous voulez participer, allez-y, 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 allez-y. Je vais faire la promo pour Koh-Lanta parce que moi, j'adore trop. J'adore trop. Donc, voilou, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Pardon encore de ne pas avoir fait de live. Pas que je veux pas. Voilou, j'espère que tout ça se sera bien rentré dans la machine. Parce que des fois, je fais des vidéos et ça ne rentre pas. Donc, voilou, je vous fais de gros bisous. Je vous proposerai bien d'aller faire un tour, mais bon, il est un peu 18h30, donc voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres thèmes, d'autres choses, moi je parle de tout, il n'y a aucun souci. Allez-y, mettez des infos, des trucs, des machins. Moi je suis ouvert d'esprit, hein, j'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir dans mes, comment on appelle ça, mes trucs que j'aime. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs que j'aime. Tout est divers et varié, hein. Il y a beaucoup de choses, donc allez-y, n'hésitez pas, regardez, fouinez. J'ai aucune honte à regarder des trucs bizarres. Ça me fait délirer. Il y a des choses que je regarde, donc qui me font délirer et des fois qui m'endorment, donc c'est très très bien. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à faire tout plein de trucs et puis voilà. Ciao!